Electro Deluxe, ça existe depuis 13 ans, non j'exagère, 12 ans. Et voilà, on s'est créé à la base sur une base de 4 personnes, influencées entre, on va dire, le jazz et le hip-hop, en passant par la soul et le funk. C'était un peu cette famille-là. Et avec les années, on a intégré James, notre chanteur, qui fait qu'on s'est détaché d'une musique très instrumentale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a sur l'album Home, c'est-à-dire des influences vraiment très très variées. C'est plutôt une quelqu'un amène une composition. Qui est plutôt très abouti, enfin qui est déjà, où il y a déjà beaucoup d'infos. Et dès qu'il la met en commun et que quelqu'un commence à changer les accords ou un rythme, ça devient le morceau d'Electro Deluxe. Et du coup, après, chacun exerce son droit de veto. Ça dure environ 10-15 ans et après on a un morceau. Non mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, elle arrive, elle est déjà, c'est pas juste une petite mélodie ou une tourne. C'est déjà presque un morceau et du coup après, à partir de ça, on taille dans cette matière-là. Pour les chansons avec James, on lui fait écouter des musiques qu'on a écrites et puis on aimerait avoir de la voix dessus. Et puis James, il pense à un thème, comment tu... Oui, si le morceau me parle, tout de suite j'ai les idées pour les textes. Après, on se met direct sur la mélodie ensemble. Et voilà, comme il dit, je propose la mélodie, les textes. Et on refuse. Tout le monde refuse. Et après, on recommence. Voilà, après 6-7 mois, ils sont un peu fatigués et ça passe. What we doing? Smoke them if you got it. Running around, trying to get stoned, keeping you down, turn your back on your home. Feel the thrill. Alors, il n'y a pas de collaboration prévue puisqu'on a trouvé un chanteur à l'américaine, en plus, à la personne de James Copley. Donc, c'est vrai que par le passé, on avait pas mal de featuring, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs, par exemple à HK Biffin, je me souviens. Et on a commencé à collaborer avec James pour quelques morceaux sur l'album Play. Et suite à ça, on l'a pu lâcher. Il s'est agrippé. On a commencé à tourner ensemble, on a fait les concerts ensemble et après il a intégré le groupe complètement. Et du coup, on a un peu fusionné les deux sociétés. Chacun a fait un pas vers l'autre, parce que c'était pas évident, parce que nous, on était déjà un groupe constitué, et James, il était tout seul, arrivé un petit peu comme ça. Donc, on a un peu convergé, on est un peu allé dans sa couleur, dans son sens, et lui, il a fait de même, et puis donc maintenant, on n'a plus besoin d'inviter. Just take a heat and let it fill your lungs with a sweet scent of heaven's miracle. Keep it for a second, hold it till you feel it. It's a smoke of love that don't talk you by. I will link up with you no matter what you do. Won't turn my back on you. On pense à chaque concert un petit peu comme un événement à part entière, et puis on réserve des surprises à chaque fois à notre public, parce qu'on a pris l'habitude de se faire un petit peu rare, notamment à Paris, et donc c'est pour que quand on revienne avec de la fraîcheur et
des surprises, vous verrez ce soir, je ne peux pas en parler. Enfin, ça passera après le concert, mais vous serez au concert, donc je préfère pas vous le dire. C'est un hasard, c'est un hasard qui est assez drôle. C'est parce qu'en fait, on est allé faire une tournée au Mexique il y a 7 ans et on avait été filmé par une télé et ce concert filmé était passé en boucle en Turquie. Et du coup, on a développé, sans savoir, une base de public, de fans en Turquie. Et donc un jour, on a vu sur notre planning date en Turquie. On y est allé en s'attendant à rien et en fait, on a été reconnu dans la rue. C'est très impressionnant, c'était très bizarre. Ouais, et on est arrivé devant un public bizarre. Qui connaissait les paroles. Ouais. Du coup, maintenant, ça va être un rendez-vous, on va vraiment y aller. Un livre, un album ou un film? Moi, je dirais un film, The Big Lebowski. Je vous le conseille. James? Jérémy. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Moi, je vais pas trop au cinéma. Alors, je suis un peu les mots là où il y a le... là où les mots sont classés par ordre alphabétique, là. Dictionnaire. Voilà. Il a beaucoup aimé le dictionnaire, ouais. De Robert, c'est ça? C'est ça. Robert. James. Pour moi, The Wizard of Oz, because there's no place like home. Justement, ça tombe bien que t'en parles parce que je suis un ancien de Fnac.com. Donc voilà, spécial dédicace. Hein. Comme quoi, il y a un avenir après. C'est un tremplin en fait.